La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congolève dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la République démocratique du Congo. Non, on sent l'annonce de la République française où il demande à Rwanda de cesser de soutenir le M23 et que le M23 puisse... c'est ce de fait immédiatement et tout de plus mettre en pratique toutes les résolutions de processus de Nairobi, ministre sommet de Luanda et le processus de Nairobi pour que la paix redevienne totale au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler aussi de cette deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle où aujourd'hui la même Cour qui était incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, aujourd'hui la Cour décide compétent de juger cette même Premier ministre, ancien Premier ministre, allais-je dire, Augustin Matata Ponyo, aujourd'hui sénateur. Et enfin, nous allons parler de cette congrès de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, où il avait pris la décision de quitter l'Union Sacrée pour se lancer d'une manière indépendante et il sera candidat en 2023. On sent du côté Union Sacrée le haut cadre de cette structure politique. Ils sont en perte de vitesse, c'est en quelque sorte des déclarations politiques. Avant, Moïse Katumbi était congolais, aujourd'hui il n'est plus congolais suite à sa déclaration politique. Sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien de Maître Fabrice Belanga, il est avocat, mais aussi cadre de l'UDPS. Et avec lui, nous allons aborder toutes ces questions d'actualité. Mon amboka, Fabrice Belanga, boy malam. Merci, Ndeko journaliste. Ma petite mot est d'abord congolais, nous sommes là, nous sommes là, Congolais Télévision. Très bien, plus de 144 000 abonnés sont scotchés en ce moment de vous suivre à travers notre chaîne Congolais Télévision. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, comme vous le savez, comme Bomessa Noya, Congolais Télévision, bien, émission Nabisso, autour de la question pour savoir comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo. Ah oui, la République démocratique du Congo se porte très bien, ça se prépare déjà. À la veille des élections, c'est-à-dire tout va bien, nous allons tout embrasser dans quelques jours dans notre pays. Tout va bien, nous allons tous embrasser dans quelques jours, mais il faut aussi signaler que Mokula Lobi a eu plus de 7 morts dans Beni, Kuna Babomi, Bakongolais, mais vous ici, vous affirmez que la santé politique de la République démocratique du Congo se porte bien. Mais vous savez, avec cette histoire des Goma ou à Beni, s'il y a des morts... Vraiment, j'ai compati avec nos compatriotes de Beni. Très bien. J'ai vraiment pitié pour eux. Mais les assassins à conscience tranquille qui continuent toujours leur massacre, je crois bien que ça prendra fin. Et nous allons vraiment se réjouir avec nos Congolais de Beni. Nous allons se réjouir avec eux. Mais vous allez se réjouir avec les Congolais de Beni. Mais Bangoukou n'a pas continué toujours. Koukoufa, mais il y a un Congolais Beni. Na mécanisme nini oyo kosala ke ba Congolais Beni wana bazala à l'aise d'une manière générale comme tout d'autres Congolais dengue to komona awa na ville province à Kinshasa. Mais vous savez, ils seront à l'aise. Pourquoi ils seront à l'aise? Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est déterminé de tout remettre en ordre dans notre pays et surtout à l'est de la République, là où il y a les atrocités, là où les Congolais meurent en complicité avec les assassins à conscience tranquille qui continuent toujours de tuer nos compatriotes. Très bien. Les chefs sont déterminés et je crois aujourd'hui là, peut-être les conseils de sécurité va lever au moins le régime des notifications qui nous a imposé injustement. Et si Dieu fait grâce, ils enlèvent cela et nous allons vraiment en finir avec... avec les atrocités. Mais ici, vous êtes en train de souhaiter que le Conseil de sécurité a enlevé un bargain. Est-ce qu'on l'enlève ou non que le moment n'a pas Fabrice Belanga? Mais vous savez, il y a la sincérité. Il faut que nous ayons. La sincérité, depuis quand il y a la sincérité, tandis que les Congolais continuent toujours à souffrir, il y a beaucoup de temps au milieu. Pourquoi? Mais si la communauté internationale n'enlève pas l'embargo de la notification de ces régimes, ça va tout simplement nous implorer. Avoir d'autres intentions. Parce que la communauté internationale est là en train de faire des choses à qui nous ne savons pas. Très bien. Le pays
est agressé par un autre pays qui est le Rwanda, mm-hmm. mais la communauté internationale continue de nous imposer les sanctions de la notification. Mm-hmm. Ce sont vraiment des choses que nous ne voulons pas. Okay. Aujourd'hui, espérons, ils seront sincères pour enlever le régime de la notification au travers l'imposition qu'ils nous ont imposée en RDC. Très bien. Moi, je suis Fabrice Belen, je suis un peu concerné est la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Régime à Félix-Antoine Tshisekedi est beaucoup plus focalisé concerné à la sécurité est de la République démocratique du Congo, parce que lui-même, le chef de l'État congolais, a sali ma démarche et belé, tout comme on continue comme ça, là, toujours. Diplomatie agissante, n'est pas le baraming, mais bien au bail de PES pour que une quimiaison en a servi mon quartier du Congo. Le loto qui République française, il y a autant à Congo et Rwanda à tirer pour soutenir M23 n'a pas acte de bas au salon comme un est de la République du Congo pour que bas tirer comme un Congolais, bas tirer pour soutenir M23 d'une manière matérielle, militaire et mais aussi. Le M23 doit respecter le processus. Il y a un mini sommet où il y a des gens qui sont à Luanda, mais aussi où il y a un processus à Nairobi. Quand il y a un pays français qui est à Rwanda, en ce qui concerne le M23, et tant que il y a un pays politique qui est à la République démocratique du Congo, mais aussi cadre à l'île de Pesce, comment vous pouvez réagir? Est-ce que cette déclaration, il y a France et les sincères avec la République démocratique du Congo, mais il y a une hypocrisie pour nos côtés, ça a une pression où les Congolais sont dans l'ambassade de France, mais aussi dans la diplomatie et chef de l'État congolais? Pression, oui, nous allons toujours continuer avec ça, avec cette allure de faire ou de mettre des pressions partout. Mm. La sincérité, c'est lorsque le Conseil de sécurité va siéger aujourd'hui à 15h et à 18h sur l'heure de New York, s'ils vont décider de nous enlever les sanctions contre le régime des notifications qui nous ont imposé là, il n'y a pas de problème. Là, il y aura la sincérité. Mais faire juste des simples déclarations qui n'ont... Le France soutient la RDC tout en demandant... Non, nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Nous voulons les actes. Nous voulons voir que oui, les États-Unis ont fait de pareilles déclarations. Mais pendant qu'ils avaient siégé au Conseil de sécurité, ils n'avaient pas peut-être enlevé les régimes des notifications. Très bien. Nous attendons voir aujourd'hui. Si la France a fait ainsi, ça serait une bonne chose. Mais comment la France est... nous montre que oui, il est sincère avec la République démocratique du Congo, tout en demandant au Conseil de sécurité d'enlever aussi l'embargo de ces régimes-là imposés injustement du régime des notifications. Mais, sinon, ça serait un peu catastrophe. Hein. Mais en attendant, le voir France tant à Congo, il y a Rwanda, où il faut qu'il doit cesser de soutenir M23, vous ne pensez pas qu'il y a déjà manière de gagner d'une manière de diplomatie, il y a d'autres Colomboka. La diplomatie, oui. Nous sommes en train de gagner parce que la France peut-être s'est prononcée malgré son retard. Il s'est fait prononcer. Est-ce que la prononciation de France, ils allaient qu'il y a des éléments où ils ont dit qu'on va se prononcer ou bien ils allaient déjà de manière à gagner que la France s'est prononcée. Elle s'est prononcée concernant le M23. Il y avait le délai parce que la fois passée, le Conseil de sécurité avait siégé contre la République, disons, contre... les résolutions imposées injustement en RDC. Très bien. Mais fort et malheureusement, nous avions peut-être vu que la Chine, la Russie, ils nous avaient peut-être montré réellement qu'ils étaient sincères avec nous. Mmh. Mais la France, les États-Unis et les autres ont été catégoriques. Mmh. Espérons aujourd'hui, ils seront sincères. Parce que le président Joe Biden a essayé quand même de nous montrer la bonne volonté. Mais voyons voir aujourd'hui si le Conseil de sécurité va décider de lever cette mesure imposée injustement. Ça serait notre plaisir parce que la RDC va recouvrir ses droits. Ça serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, on peut qualifier ou bien mettre la communauté internationale dans la position ligne en ce qui concerne l'embargo et l'achat militaire. Il y a un matériel militaire du Congo et de leur soutien au niveau régional à RDC.
Mais je l'ai toujours dit, la communauté internationale. Parce que quand vous. Ils ne sont que les assassins à conscience tranquille. Mais vous, quand vous incitez à tout le moment, la communauté internationale, la majorité vous dit que c'est la France, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, on sent que la France a commis qu'on soit positionné concernant Rwanda. Non, nous allons affirmer cela lorsqu'ils iront peut-être au-delà de leur déclaration simple. Mm. Nous voulons voir les résultats palpables. Mm. Nous voulons voir la France décider au Conseil des sécurité, nous allons peut-être enlever le mesure interdisant la RDC à notifier les conseils de sécurité. Mmh. Là, ça serait sincère. Mais au cas où la France va persister, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas la sincérité là-dessus. Mmh. C'est-à-dire, nous pouvons peut-être recourir à d'autres moyens. Mmh. Aujourd'hui, nous attendons voir si la communauté internationale est sincère à travers la RDC. Nous allons voir nous enlever cette mesure imposé injustement. Mais au cas contraire, ça serait un peu catastrophe parce que nous allons prendre d'autres lignées. Nous allons prendre d'autres lignées. Très bien, c'est avec Fabrice Belanga, il est juriste, on doit rappeler, mais aussi cadre de l'UDPS, qu'avec le campement, on parle de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Moi, je suis Fabrice Belanga. Aujourd'hui, on sent que vous êtes trop français. C'est bêtement mon Kélingala. Bonne union sacrée. Je suis trop français, mais je réponds peut-être aux autres Congolais. Mm-hmm. Je regarde aussi leurs commentaires qui demandent à ce que les émissions passent en français. Très bien. L'Union sacrée va bien. Ok. Tout ça pour évoluer. Pour n'avoir qu'un moment, nous sommes sous. L'Union sacrée va pour évoluer. Ah oui, tout ça pour évoluer. Parce que à l'Union sacrée, il y a la liberté. Vous savez, aujourd'hui, à l'Union sacrée, tu peux te dire que non. Moi, je ne fais plus partie de l'Union sacrée. Tu ne seras pas arrêté. Et comme à l'époque de la majorité présidentielle. Il ne sera pas arrêté, mais il y aura d'autres interdictions concernant l'activité naïve. Non, il n'y en aura pas. Je ne pense pas. Parce que je vois la question, vous voulez peut-être faire allusion. Non, on pose d'abord la question de savoir comment se porte l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée va bien. On est là. On est derrière les chefs de l'État. Et ceux qui peuvent quitter les bateaux, c'est leur droit. Ils sont libres de quitter. Mm. C'est-à-dire, l'Union sacrée va bien. Très bien, l'Union sacrée va bien. Le lot, Tokoyoka. L'Union sacrée, après le départ de Moïse Katumbi, il y a député Moro Bassali, le regroupement, il y a un peu de pression, il y a un mandataire, il y a un nommé dans le combo ensemble pour la République. Il y a un mais il y a manière de faire un gâteau pour la part de la banque. Il y a vraiment l'Union sacrée, il y a un peu de temps, il y a une structure haute, il y a travaillé beaucoup plus pour le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, on ne sent pas que le peuple s'est retrouvé dans ce regroupement politique ou bien structure politique. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ah non, non. À l'Union sacré et à la démocratie. Très bien. Ndeko Katumbi, tango aponi Nzela et à Kotika Union sacrée. Il faut aussi rappeler que le départ est Katumbi. Bilinga, isalité. Parce que Katumbi ne faisait plus partie de l'Union sacrée depuis longtemps. Ok. Parce que vous savez, Quand il écrivait au chef de l'État, Kosala conseil d'une manière interne. Mais non, c'est de l'hypocrisie. Mm. C'est de l'hypocrisie parce que Katumbi vous a dit, je crois que c'était au début de l'année, si je ne m'abuse pas, Katumbi avait dit il n'y aura pas de ligne à franchir. Le chef de l'État a franchi une ligne, si c'est rouge. Et depuis ce temps-là, Katumbi ne faisait plus partie de l'Union sacrée. Très bien. Et aujourd'hui, il ne s'est fait que peut-être dévoiler que oui, je ne faisais plus partie de l'Union sacrée. C'est-à-dire le départ de Katumbi, c'est un non-événement. Il n'est qu'un Congolais qui est parti et qui s'est décidé peut-être de quitter la RDC pour aller s'installer en Angola. Ça ne dérange pas les autres Congolais. Mais la question de savoir, c'est depuis que tu as réclamé le poste nommé dans le compte Ensemble pour la République, Balongwa. Mais en même temps, on savait que tous sont des députés de l'Ensemble pour la République. Qu'on pensait, franchement, il y a des députés qui ont soutenir la vision chef de l'État, et vous allez vraiment sincère ou bien bon vous voyez que vous avez profité de Katumbi parce qu'il y a qui n'a pas tourné pour bon bloc côté vous avez un gâteau pour nous se préparer en 2023. Non non, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Allez-y. Monsieur Katumbi a un parti politique qui est l'Ensemble pour la République. Tout à fait. Et vous allez voir ces mandataires publics et le membre du gouvernement qui sont nommés, ils n'ont jamais été nommés sur la liste d'Ensemble pour la République. Mais au contraire, ils ont été nommés sur base de leur regroupement politique. Très bien. Et dans un regroupement politique,
il y a des partis politiques qui adhèrent pour créer ces regroupements politiques. Et M. Katoum, il a fait créer son parti politique, je crois, il n'y a même pas une année, qu'il a créé l'Ensemble pour la République. C'est-à-dire, les mandataires nommés avant, avant l'officialisation de son parti politique ne sont pas d'office ses membres parce qu'ils n'ont pas été nommés sur base de la liste de M. Katoum. Ok. Alors, si les mandataires se disent que non, nous allons servir la République. Moi, je ne vois pas des inconvénients à leur demander de démissionner. Mais s'ils ils avaient peut-être été nommés sur base d'un parti politique de M. Katoum, là, ils pouvaient quand mais même démissionner. Mais ce sont des députés nationaux et ensemble, ils ont dit que c'est un clic dans le courant politique de l'ensemble pour le changement. Comment on a bon monde, ceux qui lidèrent à Longwe, le plus vite possible pour nous conserver le poste, pour nous conserver le député et le mandataire, tout comme le ministre dans le gouvernement. Remplacer en quelque sorte. Non, M. Katoumbi a quitté l'Union Sacrée comme le président d'un parti politique Ensemble pour la République. Très bien. Mais lui n'a pas quitté l'Union Sacrée parce qu'il est le coordonnateur de la plateforme. De la plateforme, je crois leur plateforme, c'est quoi? C'est Ensemble, je crois. Toujours Ensemble pour la République. Mais non, il y a une différence. Très bien. Il y a le regroupement politique et le parti politique. La différence vient où, tandis que Binopé, à niveau Union, ça crée beaucoup. Supporter choc, il y a des parts à Katoum. Non, non, il n'y a pas un choc parce que l'Union, ça crée. Mais il faudrait signaler que Katoum a un poids politique à la République démocratique du Congo. Non. Azan n'a pas politique. Pourquoi Azan n'a pas politique? Mais laissez-moi parler, laissez-moi expliquer les Congolais. Allez-y. Katoumbi n'a pas les poids politiques. Les partis de M. Katoumbi n'ont même pas un mandataire à la République. Et de quoi vous allez nous parler que Katoumbi a un poids politique? Non, non, il n'en a pas. Ok. Attendons voir les élections que nous irons. Si le parti de Katoumbi aura quelques députés, on pourrait peut-être parler. Mais actuellement, Katoumbi n'a aucun député à son parti politique. L'élection de Rogenebino, il dépasse beaucoup de gens en Bourzana. Kaitan, on a 9 députés. Non, 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 mais ce ne sont que peut-être les avis. C'est la population qui vont peut-être élire ces députés-là. Ça ne serait pas un parti politique. Mais ici, vous confirmez que le départ de Katoumbi n'a pas affaibli l'Union Sacrée pour mais je l'ai dit parce que Katoumbi a quitté l'Union Sacrée comme un parti politique qui n'a aucun député au sein de l'Union Sacrée. Katoumbi n'a aucun député. Et comme Katoumbi n'a aucun député, de quoi Katoumbi pèse au sein de l'Union Sacrée? Il ne pèse pas. Raison pour laquelle, vous voyez, il n'y aura aucun ministre qui va démissionner. Parce que l'air n'ont jamais été envoyés sur la liste d'un parti politique de M. Katoumbi. Très bien. Ils ne démissionneront pas. Regardons. Attendons voir. Ils ne vont pas démissionner. Laissez-le travailler peut-être bonnement et attendre les moments venus. Si le chef de l'État décide peut-être de remanier les gouvernements, ils iront. Mais au cas contraire, laissez-les travailler. Ils sont là pour la République. Ils ne sont pas là pour M. Katoum. Très bien, si le chef de l'État décide de remanier le gouvernement, peut-être sera le cas contraire. Il y a un ministre Obadala qui nommé dans le combo Ensemble pour la République, ils pourront rester à le gouvernement. Il y a un ambouka Fabrice Belang, tout bétonnement qui me concerne, justice et République démocratique du Congo. Hormis vos couleurs politiques, vous êtes un juriste dont vous exercez tant qu'avocat et République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle. Na époque, il y a le professeur Dieudonné Kalouba Oyo à Loba qui court est incompétent, il a jugé dossier Matata Ponyo. Aujourd'hui, la même cour et celle du deuxième arrêt à Loba qui est incompétent, il a jugé dossier Matata Ponyo. Comment expliquer cela, moi, Namboka Fabrice Belama? Mais avec ça, j'avais déjà répondu. Les arrêts de la cour concessionnelle sont applicables. Si la cour à l'époque avait décidé ainsi. C'était leur droit. Mais moi, j'avais répondu. C'était leur droit. Oui, c'était leur droit. Reconnu. OK. La cour peut commettre peut-être une erreur et il vient se ressaisir. OK. Il n'y a pas, nous, peut-être, de faire des commentaires. Mais j'avais répondu. Allez-y. Monsieur Matata a été parmi les membres du gouvernement. Leur redevabilité, c'est devant la cour concessionnelle. Très bien. Et la cour concessionnelle est compétente de juger le président de la République et le premier ministre en fonction. En fonction. Très bien. Mais
au sein de la même cour, quand vous n'êtes plus en fonction, la cour peut créer une chambre pour vous juger. Très bien. Alors, les cas de Matata Ponyo, Matata n'est pas un extra ou super congolais. Mais au fait, Matata n'est pas un extra ou super congolais, mais il faudrait rappeler qu'il fit un ancien premier ministre. D'après la même cour que les anciens premiers ministres, ne peut pas être jugé à la cour constitutionnelle. C'est pour cela que le professeur de Nekalouba, il a dit que le vrai droit, aujourd'hui quand on voit que la cour déclare recevable le dossier de Matata, est-ce qu'on peut, on peut pas dire que la justice aujourd'hui est instrumentalisée comme le chef de l'État avait dit lui-même, il avait déjà reconnu que la justice est moque et tambo la rabienté. Mais non, si la justice est instrumentalisée, le dossier Matata n'est plus politique. Nous allons se poser la question. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Mais non, Matata serait super Congolais pour être au-dessus de la mais loi. Mais le même dossier a été déjà. Quand les gens ont déjà mal, pas moi, n'a pas dit de Kalouba, alors il est courant, incompétent, il a jugé Matata. Comment se fait-il? Comment expliquer? La question de savoir comment expliquer la même cour est incompétent hier, aujourd'hui, comme incompétent, n'a moutoumoussoussou. Non, non, je crois à cette question. Vous êtes juriste. Il faut rappeler aux Congolais. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Effectivement. Cela veut dire que Matata n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas un super Congolais que nous autres. Si la justice a besoin de M. Matata, il ne peut que se rendre. Je crois qu'il était en Afrique du Sud, à son retour. À partir de là, il avait déjà annoncé qu'il va affronter la justice. Et je ne vois pas pourquoi le monsieur aura peut-être peur d'affronter la justice. Non, non. Il y a eu l'argent des Congolais qui ont été détournés, volatisés. Et nous ne pouvons pas rester mouillés comme ça. Laissez la justice faire son travail. Matata n'est pas un super Congolais pour qu'il ne soit pas jugé. Matata sera jugé ici au Congo. Très bien. Quand la justice se dira que non, bon, l'affaire... Matata, je dois les récupérer. Il n'y a qu'à laisser la justice faire son travail. Moi, je ne vois pas pourquoi la politique viendra ainsi, parce que ce n'est pas un dossier qui est politique. Il n'y a pas un dossier politique. Mais ça, et comme Copé Sandi, c'est un dossier politique qui, apparemment, Tata Kolamboka, il a peur des adversaires en 2023. Est-ce qu'à un moment, on a Kotokuna, la même justice, il y a qu'on pression et pas il juge ou avec notre dossier Moïse le lot moni cour constitutionnelle la juge recevable le dossier Matata pour nous ressembler en quelque sorte le chef de l'État il veut étouffer ses adversaires politiques pour qu'en 2023 qu'il se sent à l'aise dans le bâton il y a élection et en quelque sorte moi n'amoka Fabrice Bélan. À chaque fois que vous me recevez ici, je vous ai toujours dit il n'y a aucun super candidat qui peut battre le chef de l'État aux élections. Il n'y en aura pas. Okay. Matata a été au FCC à l'époque. Pourquoi il n'a pas été choisi comme le dauphin du président, ancien président chef de l'État, M. Kabila? Là, ce sont leurs problèmes, non? Alors, c'est pour dire, Matata peut postuler. Est-ce que se faire déclarer candidat président de la République, cela n'empêche pas la justice de faire son travail? Très bien. Le candidat président de la République, tu n'es qu'un candidat. Et si Dieu décide de te prendre des mains, tu te diras que non, je ne vais pas mourir parce que je suis candidat président. Non, non, ce sont des fantaisistes. Monsieur Matata peut répondre à la justice, bonnement. Et quand la justice trouve que non, il est branché, il ne peut que peut-être décider. Et pourquoi avoir peur de la justice congolaise? Tant qu'il est congolais, il ne peut qu'affronter la justice. Et si il arriverait qu'il soit le président de la République, il s'agirait de quelle justice qui va lui confirmer son élection? Ça serait quelle justice? Non, non, laissez la justice faire le travail. Moi, je ne vois pas un dossier qui est politique parce que nous tous, nous connaissons Bukangalonzo. Très bien. Bukangalonzo n'a pas été un dossier de l'UDPS, ni un dossier du PPRD, non plus encore d'Ensemble pour la République, soit de l'INC. Nous connaissons Bukangalonzo. Qui avait peut-être à l'époque piloté, c'est là, c'était lui. Il n'y a qu'à répondre. Il y a eu l'argent des Congolais, l'argent des contribuables qui a été sorti. Il ne peut que peut-être nous dire que non, il y avait ça, il y avait ça. Moi, j'avais fait ça, je n'avais pas fait ça, c'est tout. Il a peur de quoi?
Très bien, il a peur de quoi? Il a mal au bas, moi, Mboka Fabrice Belanga, il est le juriste. Il faut rappeler aussi que le dossier Matata, c'est un dossier qui touche beaucoup plus les juristes de la République. Hein. Il y a un camp de juristes qui se dit que la Cour est instrumentalisée par le politique. L'autre côté dit que la Cour peut travailler d'une manière sincère. Là, ce sont de dire des juristes. Nous, on ne peut pas commenter. Nous, on est journalistes. On n'a qu'à poser des questions, y compris de parler de ce qui concerne la République, on va parler. Moi, Mboka Fabrice Belanga. Comment se porte l'UDPS? Oui, l'UDPS va bien, on est là. Tout ça, tout ça, c'est préparé pour les années à venir. L'UDPS va bien. Se porte très bien. L'UDPS se porte très bien maintenant, comme on a Bilingam Bilingam aussi la tête dans la partie présidentielle, moi, Mboka. Mais Bilingam Bilingam, il faut aussi la tête parce que tout ça, on a l'église. Même dans l'église, si on a un peu Bilingam Bilingam, ils ont la carte, on a. Pasteur numéro 1 à Bendani, non, pasteur Molandisa Minaye, pasteur Nabandimi Bazoyo Kanate, séparation et Salemi, église Zalaki, mon corps est comme Mibale, comme Misato. C'est-à-dire, on est dans un parti politique, on est les démocrates, mon avis, si ça ne te plaît pas, tu peux émettre un avis contraire, on est en démocratie. C'est-à-dire l'idée pensionnée, là, on continue. L'IDPS, actuellement, l'IDPS est géré par. Augustin Kabouya pour nous avons ça la faut que ça la qui jale le en combo secrétaire général au gang en combo na étant au milieu pourquoi ou un de combo au côté de la liste bah il va cause la nommer ou bien bah il va au team dans la banque entreprise non ce n'est pas ça les amis mon cœur il ne peut pas se mettre au bango mais j'ai toujours répondu à la question. Nous ne pouvons pas chercher. L'UDPS, où tu sais, Étienne Tshisekedi avait laissé, ce n'est pas l'UDPS géré aujourd'hui par Augustin Kabouya, comme il focalisé dans un individu mort, tandis que l'UDPS qui était pour le peuple aujourd'hui, l'UDPS ne se retrouve pas dans le slogan à Bomba Neukoloba à cause d'un individu d'après le membre de l'UDPS. Non, non, écoutez, nous ne pouvons pas chercher le travail dans un parti politique. Très bien. Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est ce que moi j'ai appris. En droit constitutionnel congolais, chez les professeurs Jacques Ndioli. Mais je n'ai jamais appris à aller chercher le travail dans un parti politique. N'en déplaise ceux qui disent que non, à l'IDPS, c'est au Lukamoussala. Bon, c'est l'air. L'IDPS européen, ça m'a tout mis ça là, au Bakoussala qui dit le peu moins en Boka Sekadi. Mais non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas de cet avis parce que nous ne pouvons pas chercher le travail dans un parti politique. Très ça, bien. Je suis contre. Dans un parti politique, il y a des combats politiques, il y a le lutte politique. Moi, je ne fais pas des combats politiques, moi, je fais des luttes politiques. Mais il y a des ça là, lutte dans le combat politique, là, aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, il ne se retrouve pas. Mais écoutez, dans un parti politique, il n'y a que lutte politique. Il faut avoir la lutte. Et lorsqu'on a la lutte, on ne peut pas avoir les combats. Les combats, oui, mais quand on est au combat politique, c'est-à-dire nous allons se bagarrer physiquement. Et quand je vous vois, peut-être vous êtes d'un parti politique contraire à mon parti politique, Toko Bomana. Parce qu'il y a un parti et à opposition, il y a la majorité. Non, non. Dans un parti politique, nous ne pouvons pas chercher le travail. Parce qu'au sein des partis politiques, même le président de la République ne va pas nommer tous les combattants de l'UDPS. Ça, je l'ai dit. Le chef de l'État ne nommera pas tous les commentaires de l'IDPS. C'est-à-dire, dans un parti politique, on est là pour la lutte politique. Par exemple, on peut me nommer conseiller quelque part, mais on ne peut pas me donner les matricules. Si vous voulez les matricules, allez y chercher ailleurs. Il y a des ministères qui sont là. Mais dire que non, à l'IDPS, il n'y a pas de combattants qui ont les boulots. Mais écoutez, si moi je vais aller chercher le travail dans un ministère X et on me donne l'affectation, on me donne la notification et j'attends le numéro matricule au ministère fonction publique. De la fonction publique, cela ne viendra pas de l'IDPS parce que à l'IDPS, c'est un parti politique qui est un fait privé et avoir le matricule, c'est un fait qui est du pouvoir central. L'État, il y a des choses différentes. Très bien. Dans un parti politique, on ne cherche pas les travaux. Il faut enlever cet équivoque. Aux Congolais qui viennent chercher les partis ou les travail dans un parti politique. Ça, non. Quand tu as le lot UDPS, est-ce que UDPS est au le bien et UDPS, pensez vraiment que l'UDPS au pouvoir pourrait faire ça et ça. Aujourd'hui, on ne sent pas cette UDPS en question. Mais non, nous ne pouvons pas penser. Écoutez, l'UDPS n'est qu'un parti politique qui n'est qu'un fait privé.
L'IDPS à l'opposition, à l'époque, nous avions peut-être d'autres pensées. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y a la loi. Il y a des lois qui sont rétablies. Très bien. Parce que tu viens de l'IDPS. On peut directement te nommer le secrétaire général d'un ministère X. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. L'IDPS continue sa lutte. L'IDPS a ses moyens à faire pour conserver les pouvoirs. Très bien. Laisser l'IDPS faire, c'est qu'il fait comme un fait privé, malgré on est au pouvoir, mais nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on est en politique, hein, tous les coups sont permis. Très bien, on est en politique, tous les coups sont permis. Maître Fabrice Belang, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, plus de 144 000 abonnés, c'est ce que tu es en train de vous suivre. Quel message vous voulez lancer à ces abonnés-là? Le message a été toujours le message de paix. Que la paix règne là où il n'y a pas la paix, à l'est de la République démocratique du Congo. Et je continuerai à demander au peuple congolais de soutenir nos institutions de la République. Je dis bien de la République, ce n'est pas les institutions de l'IDPS, ce sont les institutions de la République. Il n'y a que les drapeaux de la République qui nous unissent. Hein. Ça, je l'ai toujours dit, ce ne sont pas des partis politiques. Je vous souhaite aussi le meilleur vie à tous. Très bien. Donc, c'était le maître Fabrice Belang. Il est cadre de l'UDPS. C'est avec lui qu'on a eu à débattre de toutes ces questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Comme on le dit souvent, peu importe nos divergences, on est tous congolais. C'était donc Jonathan Safou, l'homme de la République. Qu'on se le dise. Au revoir. We'll be right back.